Salut à tous, c'est Zwiggy et il est là, il est enfin là après 9 ans de développement et 128 reports, The Last Guardian, voilà, il est là. Donc en fait, exclusive Play 4, au départ normalement il était prévu Play 3 je crois, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, projet qui a commencé en 2007, là on est en 2016, ça fait 9 ans, il y a eu 56 000 reports, donc bon, au final de Play 3 il est passé à Play 4, voilà. Après, bien sûr, évidemment, c'est la trilogie de Ico et Shadow of Colossus, fait par Ueda, forcément. Donc c'est déjà, artistiquement, c'est magnifique. On verra que c'est un jeu assez poétique, c'est un jeu qui est assez lent. Vous allez voir, c'est excellent, en fait, et voilà. C'est assez lent, c'est excellent. Bon, c'est un jeu de mots pourris, mais voilà. Et voilà. Par contre, le truc qui est con, on va continuer. J'ai fait quoi? J'ai fait 10 minutes de jeu. Voilà, j'ai fait 10 minutes. Et quand j'ai vu comment c'était, que c'était assez lent et tout, j'ai dit, bon, je vais pas avancer 100 ans dans le jeu. Je vais faire 10 minutes... et je filme. Donc là, voilà, je suis carrément au début du jeu. J'ai juste eu le premier objet. Je sais pas quand je dis premier objet, je sais pas s'il y en aura plusieurs, mais j'ai juste pris l'objet pour. Enfin, voilà, je suis au début du jeu. Voilà, tout simplement. J'ai découvert Trico. Trico, c'est, ben, c'est le chien oiseau dragon chat chelou bizarre. Hein, voilà, c'est lui. Il va nous aider avec. Il va nous aider dans notre aventure. Hein, voilà. Et nous, on est un petit garçon. On sait pas qu'est-ce qu'on fait là, qui on est. Voilà. Et donc voilà, ça c'est nous. Et ça, c'est Trico, le mangeur d'hommes, le dévoreur d'hommes. En fait, il est tout gentil, sans déconner. Bon, il fait un peu flipper quand même avec ses yeux, hein, mais voilà. Donc voilà, graphiquement, on peut voir que... graphiquement, c'est pas super détaillé, mais il y a une ambiance, un décor qui fait que... voilà, ça reste poétique, ça reste un peu dans le flou, j'ai envie de dire. Et c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Et c'est pas vraiment une vidéo découverte, parce que j'ai commencé il y a 10 minutes, hein, mais je suis au tout début du jeu, voilà, 10 minutes de jeu... Et j'ai envie de faire la suite avec vous, voilà, découvrir avec vous. Je sais pas si on va sortir, je sais pas si dans le jeu on va aller dehors ou quoi, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Et franchement, voilà, les petits papillons, les effets, les lumières et tout, ça oui, ça c'est vraiment magnifique par contre. Là on est d'accord. Le seul truc qui fait chier, c'est qu'en 10 minutes déjà, j'ai pu voir que le jeu, ben, il rame. Hein. Même sur Play 4 Pro, apparemment il rame aussi. Voilà, il est bloqué à 30, bon heureusement, parce que voilà. Donc voilà, dommage qu'après 9 ans quand même... Ils soient pas très très fluides, hein. On voit que c'est pas super fluide, hein. Malheureusement, c'est dommage. Puis la caméra elle est à chier, il faut le dire, c'est ça aussi c'est pourri, dommage. Voilà, mais c'est les deux points faibles du jeu, caméra et que c'est un peu pas très fluide, hein. Voilà. Mais après oui, voilà, graphiquement, c'est pas du Uncharted 4, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a cette ambiance, ce décor, ce style de Ueda, comme je vous dis avec Ico et Shadow of Colossus, qui fait que, en fait, on est émerveillé, quoi, c'est beau. T'as même pas envie de jouer, en fait, t'as envie de faire comme je fais là, de regarder, tu vois, c'est excellent, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Que regardes-tu, petit Trico? Les chaînes. Bon, allez, on y va. Donc, on avance, là, j'ai pété le rocher grâce à mon bouclier magique, hein, qui est là. Et puis, ben, c'est parti, on avance, hein. Je vais pas faire trop long. Et on verra jusqu'où on va aller. Hein. J'espère qu'on va sortir, ça serait bien. C'est vrai qu'il parle des fois. C'est lui-même, hein, mais... R1, c'est pour l'appeler, apparemment. Ta caméra qui tourne tout seul, ça fait chier. Elle a l'air un peu lent quand même, c'est pour ça, ouais. Si je voulais avancer... Merde, le mec n'a pas sauté. Mais si je voulais avancer dans le jeu comme je fais des fois, c'est-à-dire avancer un peu plus loin, parce que là j'ai fait que 5-10 minutes. Vu que le jeu il a l'air lent et tout, c'est... Non, te prends pas le truc dans la gueule, merci. J'aurais pas pu, en plus j'ai Dead Rising 4 à faire, après il y a le téléphone qui va arriver, donc ouais. On va faire une mini découverte. Donc du coup, si j'ai compris, je vais faire... Voilà, je vise avec mon bouclier. Attaque éclair, ouais! En fait, ce bouclier là que j'ai en main... Quand je vise, eh ben il tire avec sa queue, l'autre con. Il tire des éclairs avec sa queue. Voilà. C'est Raichu, quoi. C'est Pikachu. C'est... Voilà. Donc on avance et c'est parti. Je sais pas si on peut tomber, mais je vais pas essayer, je m'en fous. Ouais, la direction esthétique, elle est vraiment bien quand même. Ok. Oh, il y a de l'eau. Verte. Du coup... là-bas, il y a... Ok... Attends. Il est où, le gars? Allez, viens! Ok. Alors, je vous le redis, c'est pas un jeu speed, hein. C'est pas un jeu où... Voilà, hein. Donc, Ah, ça pète, ok. Ah, merde, faut recharger. Recharge ton pouvoir, Raichu!
Je peux passer ou pas là? Ok, merci. Ah non, ouais, j'aurais dû commencer par le bas. Allez. Vas-y, Raichu. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, mec? Il a plus d'énergie, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ouh là là, je comprends pas. Il m'a fait tomber, ce con. Putain, le mec. Foiré! Allez, saute. Saute! Oui, tu peux le faire. Saute. Caméra qui reste pas en place, qu'il faut obliger à chaque fois la toucher. Putain, ça c'est chiant. Allez, saute! Allez. Ouais, saute! Oui, non? Allez! Allez, je vais pas attendre 15 ans! Oh putain! Oh putain, le mec, il saute ou pas en vrai? Bon, tu sais quoi? Ben saute pas, fais comme tu veux. Par contre, ouais, j'aimerais bien aller là-bas, moi. L'eau, elle est bien faite, j'aime bien. Grimper, ouais. Pouvoir magique! Voilà, merci Tricot. Du coup, ah, on peut grimper là? Oui, il y a marqué sauter, alors attends. Ouais, on peut grimper! Non, franchement, c'est pas mal, moi j'aime bien. Après, c'est vrai, comme je vous ai dit, même si ça fait que 10 minutes. Oh, le mec, c'est con. Même si ça fait que 10 minutes, je découvre en même temps que vous, hein, en gros. Hein. Là, j'ai juste appris vite fait les bases, 2-3 trucs. Voilà, je voulais voir, et dès que j'ai vu que ça commençait assez vite, quoi, que déjà on a déjà Tricot, c'est-à-dire le monstre, on va dire, qu'on a déjà le petit pouvoir là avec le bouclier et tout, je me suis dit, bon, ok, je vais directement faire la vidéo. Saute. Mais non, mais il est con celui-là aussi! C'est des touches inversées, putain, pour sauter, c'est triangle, donc du coup, pour sauter, faire comme ça. Voilà, putain, et oui, voilà, tomber c'est croix et sauter c'est triangle, donc en même temps, quand t'as pas l'habitude, c'est sûr, hein. Ah, ben voilà, ils sont là, les petits... Ça, c'est pour nourrir le chien, j'allais dire. C'est pour nourrir Tricot, ça. Allez, pousse-le. Voilà, allez. Ah, ben oui, si je nourris... Ben oui, il va sauter maintenant. Ok, j'ai compris. Ouais! Allez, là, il y a quoi, là? Il n'y a rien, ok. Ouais, je tombe, je m'en fous. Allez. Ouais, pour sauter, c'est triangle, putain. Mais saisis-le, vas-y. Voilà. Du coup, je peux le lancer dans l'eau ou ça va disparaître ou je sais pas. Ah non, c'est carré pour lancer, putain. Allez, saute maintenant. Allez. Voilà, c'était comme ça. Oh putain. Ah ouais, mec. Tsunami! Oh putain, je glissais tout. Ouais, non, c'est pas fluide, hein, putain, c'est jouable, mais franchement, voilà, hein. Là, en vrai, je suis à 20. Ok, donc, attends, je vais donner encore les autres barils. Est-ce que je peux lui envoyer dans la gueule? Attends. Retourne-toi. Allez, retourne-toi, voir si je peux te l'envoyer directement. Viens, retourne-toi. Complet, complet. Allez, attends, si ça marche, franchement, c'est énorme. Si ça marche, c'est excellent. Oh, ça c'est beau ça. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est sympa. Par contre, la caméra, comme je vous l'ai dit, ça pue la merde, malheureusement. Voilà. C'est dommage, ouais. Dommage. Énorme. Bon, allez, moi je me casse maintenant. Vas-y, je saute. Ouais, saute, oui! Donc voilà, c'est un jeu très poétique, hein, on est d'accord, hein, voilà, c'est Ueda, donc encore une fois, c'est Ico et Shadow of Colossus, donc voilà, c'est pas un jeu speed, c'est pas un jeu de fou, c'est un jeu lent qu'il faut apprécier, vous voyez, c'est un truc... C'est là qu'il faut aller, moi. Mais monte, il... Ah, du coup, attends, il faut que je monte sur lui, en fait. Et ouais, je peux monter sur lui, donc, attends. Monte sur toi, ne bouge pas. Voilà.
Je vais monter sur sa tête et je vais sauter de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est lui qui saute direct. Oh putain. Par contre, j'ai essayé au début, peut-être qu'on pourra plus tard, mais... D'accord, d'accord, merci. Hein. Mais on n'arrive pas à le diriger. Genre, je croyais, par exemple, je monte sur sa tête, ou sur son dos, où vous voulez, et après, hop, je marche avec lui, vous voyez, je le dirige et tout. Mais en fait, non, non, non. C'est lui qui en fait qu'à sa tête, voilà. C'est lui qui nous suit, et s'il veut pas nous suivre, ben, il nous suit pas, quoi. C'est... Voilà. Ah merde, il fallait monter en haut. Ben, viens. Donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu assez space, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Ah, je peux monter direct là, pas besoin de lui. Ok, tant mieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu, c'est particulier, voilà. Testez Ico, testez Shadow of Colossus, et ça vous plaît, normalement celui-là devrait vous plaire aussi. Le truc c'est que moi, j'avais testé Ico et Shadow of Colossus à l'époque. Ah, on est sorti là, ça y est? Ah, bien. Mais que le début du jeu, donc je connais pas vraiment bien ces jeux, vous voyez. On est à 15 minutes à peu près, on est sorti, c'est cool. Oui, mais non. Non, mais on le sait qui... Non, mais non, on le sait. Sérieux? Mais non, on peut pas laisser Tricot. C'est le personnage principal avec nous. On est que deux dans le jeu. Donc, bon. Il est passé quand même, hein. C'est un fou, hein. Ok. Cinématique. Ah. Putain, on dirait un chat-chien. Il est bizarre ce truc, hein. Ah, là on est dehors, c'est beau. Ça a l'air assez vaste quand même, hein. C'est pas super rempli. Les décors sont pas remplis, c'est assez vaste. C'est sympa, moi j'aime bien. Et on regarde en bas ce con, il y a un truc? Non? En haut? C'est vrai qu'il a des ailes ce con, non? Il pourrait voler? C'est vrai, j'ai même pas capté, tu vois, c'est... Ah, j'ai vu... Un petit oiseau. Ouais, non. Non, non, je vais pas tenter, non. Viens là. Ah oui, là, les FPS, c'est pas... C'est constant, en fait, mais à 15. Voilà. Dommage. Dommage, parce que... Encore une fois, comme je l'ai dit, graphiquement, c'est joli, mais c'est pas le jeu le plus détaillé du monde, tu vois. Uncharted 4, putain, ah oui, il est magnifique, tu pètes les plans. Lui, ça déconne, il pourrait tourner à 60 serein, j'ai envie de dire. Surtout après 9 ans de développement, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'après 9 ans, ben, il y a quand même des petits soucis, voilà, comme le framerate qui est pas super stable, comme le fait que la caméra, elle est vraiment chier, ça, il faut le dire, c'est caméra, c'est le pire... Ah, c'est là qu'il faut passer? On peut passer là? Ok, voilà, le pire défaut du jeu, c'est la caméra. C'est juste ça. Après, voilà, la direction artistique, elle est bien. Graphiquement, il est joli. Bon, ça rame, ça fait chier, mais c'est jouable. Hein. Le gameplay, il est cool, franchement. On se prend pas la tête, voilà. T'as un petit objet pour dire à Tricot où est-ce qu'il doit tirer avec sa queue électrique, là. Voilà. Donc, non. Oulala, oh, tu sautes avec triangle, c'est vrai. Putain. Donc, il me suit ce con. Il est où? Il est là-bas. C'est un malade. Donc voilà, non, franchement, ça va, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à pire ni à mieux. Franchement, voilà, je découvre. Et je suis agréablement surpris. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Pour l'instant, là, j'aime bien. Après, on verra plus tard, peut-être c'est pourri, peut-être c'est excellent, je sais pas. Pour l'instant, c'est nickel, c'est bien, voilà. C'est pas de la merde, mais c'est pas, oh putain, le meilleur jeu du monde, truc de fou. Non, c'est un jeu qui est cool, qui sait le jouer, qui est sympa. Et puis c'est vrai que ça change des jeux qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que les jeux comme ça, c'est... Voilà. Ok. Ok, je suis là, d'accord. Ouh là là, oui, là, non. Ouh là là, non, non, mais là, non. Non, non.
15 c'était limite, si on descend à 2. Tu viens ici? Ou... saute. Ouais. Ça c'est bien ça. Alors du coup, alors j'essaie de vous montrer comment il fait pour tirer avec sa queue. Tout à l'heure on l'a vu mais il était trop près. Donc j'appuie là, je vais dire pète ça, parce que c'est en bois, ça se voit. Queue électrique, bim. Voilà, fatale foudre. Putain. Et voilà le petit pan. Ben ou pas. Allez, ben on monte avec triangle, c'est vrai. Ça par contre, c'est le truc avec triangle. Je sais pas si on peut changer les options. Je suis pas encore allé. Mais pas l'habitude. Sauter avec triangle, j'avoue, c'est pas courant. Est-ce qu'il peut passer là? Ouais, il peut passer, je pense. Allez, suis-moi. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, on peut passer par là. Ok. Ouais, franchement, c'est sympa. Mais quand je vois ces décors, ces ruines et tout, c'est instinctif, c'est con. J'ai envie de faire du Tomb Raider et du Uncharted. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller là, tu vois, ça s'inscrit. Hop, et je monte et tout. Mais tu peux pas, non. T'es pas Ezio, tu vois. T'es pas Drake. T'es pas Lara Croft, non. T'es Mino, quoi. Je sais pas qu'est-ce que... Oh, sérieux, on peut quand même? Non. Non, mais normalement, non, tu peux pas. Enfin, je sais pas. Attends. J'avoue que ça me donne envie d'escalader, hein. Ouais, y'a rien, ouais, c'est bon. Ça fait penser à Ni no Kuni, quoi. Ah! Ah oui, j'avoue, il m'a pas passé ce con. Ah, merde. Le pauvre. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. Hein. Je vais continuer sans toi. Ah, ah, ça c'est... Je sais pas. Ah, ben voilà. Ah, ben oui, le trou que j'ai fait en haut tout à l'heure. Putain, mais quel con. Et si, et oui, forcément. Ben attends, alors. On va le rappeler. Enfin, s'il veut, s'il m'entend. J'espère que je suis pas trop loin, sans déconner. Et j'ai peur qu'il faut que j'aille en bas. Ah, oui, non. Il y a des plumes, mais... Ah, il me suit. Allez, saute. Saute. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais ici. Ça va, il réagit assez bien. Il est assez lent, hein, sans déconner, mais il réagit. Mais il réagit assez bien. Ok, ok, je sais que tu as sauté. Allez, allez. Voilà. Donc ça va, il réagit assez bien. Il est lent, mais il réagit assez bien. Donc ça va, ça compense. Du coup, attends, ouais. Yeah! Ah, merde, tiré, ok. En même temps, c'est bien, ça vous explique un peu vous aussi ben, comment on joue vite fait. Vous voyez un peu les touches, c'est bien. Je tire depuis tout à l'heure, hein. C'est bon ou. C'est bon ou pas? Il faut appuyer, attends, il faut le refaire peut-être. Ben je tire, hein. Ah. Ça y est. Vas-y, attrape. Oh, mais il est trop haut, là. Comment il va attraper? Lance. Tiens. Voilà. Après, à quoi ça sert de le nourrir ou pas? J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on est d'accord que tout à l'heure, quand je suis allé dans l'eau et que lui, après, il voulait pas sauter, avant que je lui donne à bouffer, il y avait 3 caisses. Je lui en ai donné 2. J'aurais pu lui en donner qu'une. Ou alors, j'aurais pu lui donner les 3. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Peut-être que t'obéis mieux. Je sais pas. Ça, j'avoue, je sais pas. Mais du coup, maintenant, on va où? Allez, viens. Y'a quoi, là, regardez. Je sais pas où il faut aller, là. Sans déconner. Après, ça peut être un peu positif comme négatif. Ça dépend de vous. Y a pas de... Voilà, y a pas de point jaune pour dire il faut aller là ou si ou là. Y a rien, voilà. Tu te démerdes. Voilà. C'est toi qui cherches, hein.
Ah là, il y a un truc là, comme... Attends, on peut monter là? Vous voyez, c'est ça, voilà, tu te démerdes. Moi, ça me dérange pas parce que pour l'instant, vous voyez, hein, je découvre en même temps que vous et ça va, je galère pas trop. Mais si ça commence à faire chier, ben, ça va faire chier. Mais pour l'instant, ça va. Si je monte sur toi, attends. Il est à la fois mignon, mais à la fois effrayant. Franchement, c'est bizarre comme truc. Non, mais c'est moi, c'est pas une puce. Est-ce que je peux sauter là-bas? Saute, mais comme... Oh là là. Yeah! Ok. Alors, on peut passer là-bas, mais là, il y a là-bas aussi. Alors, attends, on va aller là-bas déjà. De toute façon, le jeu se fait bientôt 25 minutes. Ça va être bien. J'ai pas envie de mettre 15 ans uploadé. Donc, ça va être bien. Ah, il y a... Alors, attends. Et finalement, c'est un peu du Uncharted et du Tomb Raider, en vrai. Hein. Ah, il y a... Ok, là-bas, un truc pour le donner à bouffer. Alors, attends. Alors, là... Ok. D'accord. Monte. Merci. Alors, on va où maintenant? On peut aller là-bas, tu crois? Je sais pas. Non, mais tombe pas, s'il te plaît. Hein. Ah! Ben, continuons. Hein. L'herbe aussi, j'aime bien. L'eau, l'herbe, franchement, c'est bien fait. C'est très sympa. Ah, ou alors. Attends. Non mais, non. L'autre côté. Peut-être qu'en faisant ça... Allez, prends-le. Mais... Oh là là. Attends. Peut-être qu'en faisant ça, ça va le faire sauter, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Peut-être que c'est un appât, en fait, la bouffe. La bouffe, elle sert juste à le faire venir. Peut-être, je sais pas. J'avoue que là... Putain, il est déjà là, le type. T'es malade. Tiens, attrape. Ouais. Allez, bouffe! Mais il est con! Allez! Non mais, il a des problèmes de vue! Ah, mais putain! Ah mais voilà, il faut péter le truc. Pikachu! Attaque Fatal Fury! Merci. Oulala. 2 FPS. Ah, il y a un trou là, non? Hein? Oui. Hein? Ouais. Donc après, voilà. Comme je découvre en même temps que vous, même si j'ai fait 5-10 minutes de jeu au début. Enfin, en vrai, j'ai dû faire quoi? Ouais, 5 minutes. Je sais pas, voilà. Est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'il y a des vies? Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? J'avoue, ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, à vous de découvrir en même temps. Hein. Oh là, non, mais... Putain, c'est dommage. Dommage, ouais. J'entends... Il me semble, hein, parce que je suis obligé de baisser le son pour pas que ça fasse écho avec le micro. Mais il me semble qu'il y a de la musique, et j'entends une petite musique douce. C'est sympa, j'aime bien. C'est apaisant, c'est reposant, c'est bien. En même temps, oui, c'est grand, mais c'est vide, quoi. C'est assez monotone, quand même. C'est toujours le même décor, en fait, apparemment. Ouais, une forteresse avec un peu de montagne un peu perdue. Je sais pas où c'est. On sait pas où on est. Du coup... Attends, parce que là, je suis perdu, en vrai. Ok, viens ici. Est-ce qu'on peut monter là, non? Je pense que oui. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un nonos? J'ai pas de nonos. Bon, il a des pattes, en fait, il a une queue de chat, de chien, je sais pas, mais bon, on dirait une queue de chat, avec des pattes, des plumes d'oiseau, une tête de chien, enfin, il...
Moi, je dis, ça sent les expériences, ça. Bon, là, je suis perdu. En plus, ça rame. Il y a plein d'arbres. Je vois rien. La caméra, elle est pourrie. Là, j'avoue, là, c'est dommage. Là, tu... Enfin... Je sais pas. Là, c'est fermé, ouais. C'est fermé! Non, te bloque pas dans l'arbre, s'il te plaît. Ah, moyen là de faire quelque chose? Passer au-dessus ou je sais pas. Non, j'avoue que là je suis un peu perdu. Je sais pas, non. Donc voilà, ça fait une demi-heure, ça sera très bien. Hein, j'ai pas envie de chercher pendant 15 ans et demi. Donc voilà, c'était The Last Guardian. Hein, jeu prévu sur PS3 à la base. Création en 2007. 9 ans après, il sort. Franchement, il est bien. Enfin, il est reposant. Franchement, c'est sympa. Mais le truc vraiment qui est chiant et qui est dommage, les deux chiens et dommage, c'est que après 9 ans, même s'il y a eu 46 000 reports, mais après 9 ans, tu t'attends quand même à un truc un peu mieux dans le sens où que la caméra, malheureusement, c'est à chier et c'est pas super fluide. Voilà, c'est deux seules choses qui font que un jeu qui sort aujourd'hui, maintenant, 2016, qui est fait que pour le pognon, hein, qu'il sort tous les ans, ok, avec une caméra pourrie qui rame, bon, c'est normal, vous voyez, les jeux font aujourd'hui, c'est tout fait à la va-vite, c'est tout pourri et tout, ok. Mais là, un jeu que ça fait 9 ans, oulala, qui est en préparation, mais quand tu vois que la caméra elle est pourrie et que ça rame un petit peu, tu te dis c'est con, c'est dommage, c'est dommage. Normalement ça, en vrai, ça devrait pas y être, voilà. Après, voilà, niveau texture, graphisme, histoire, décor, personnage ou quoi, ça y a rien à dire, c'est le top. Hein. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est Ueda, c'est-à-dire Ico et Shadow of Colossus. Et voilà, ces deux jeux, c'est des jeux magnifiques. Donc celui-là, forcément, on est d'accord, il reste magnifique, il est au top. Mais voilà, c'est juste le fait que, voilà, caméra un peu à chier, et que là, vous voyez, depuis quasiment 80% de la vidéo, vous avez vu que c'était pas fluide, c'était pas du 30 fps constant, c'était plutôt du 20, voire là, 15. Et ça, c'est dommage, voilà. Aujourd'hui, surtout après 9 ans, à 15 fps, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Mais après, voilà, c'est pas grave. Moi, je mettrais quand même un 14-15 sur 20, y a pas de souci. Avec Tricot, en plus, qui est sympa. Donc, voilà. Donc, ben, merci à tous d'avoir cette petite vidéo donc, de The Last Guardian d'une demi-heure. Ce sera très bien, franchement, voilà. N'hésitez pas à voir le test de Watch Dogs 2 que j'ai fait, le test de Happy et du Bar Top, c'est-à-dire mini bande d'arcade avec le Raspberry Pi et tout. Enfin, je vous laisse voir ça dans les playlists. Et là, il va y avoir Dead Rising 4, le déballage de mon nouveau téléphone et le test. Et après, ben, j'avoue qu'il n'y a plus rien jusqu'en janvier, fin janvier avec Gravity Rush 2 sur Play 4. Donc, on verra ce que je vais faire. Et tous les 15 jours, Retro Zoogie. Allez, merci à tous et à la prochaine !